Bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs, merci à Mathieu et Georgios pour tout le boulot de préparation des données. Je n'ai pas trop touché un Mac. Deux secondes sur la société. Donc, juste, moi, je suis chercheur en machine learning et j'ai fondé donc, une start-up il y a 3 ans qui fait du machine learning, du online learning exactement. Donc, le sujet de ce challenge, ça va être le sport analytics, discipline qui est assez développée aux États-Unis, qui consiste à faire de la prédiction sur les données de sport. Donc là, le sujet, c'est le basketball, c'est-à-dire tout simplement essayer de prédire pendant un match de basket qui va gagner. Voilà, très, très basique comme sujet, très léger. Les marchés qu'on va viser, un peu les applications business qu'on peut trouver, on en a identifié deux. Ça peut être de l'entertainment, c'est-à-dire vraiment parler aux médias et leur dire pendant le match, on va vous proposer des métriques un peu intelligentes, un peu plus que les rebonds pris par telle équipe, le pourcentage de réussite, etc. Donc ça, c'est une première application visée. Une deuxième, ça serait assez naturellement aller voir, par exemple, Betclic. On a des contacts chez eux à Bordeaux pour ce qui est des paris sportifs. Et pour améliorer les cotes, notamment. Donc l'objectif du challenge, on a simplifié un peu le problème. L'idée, c'est qu'on peut faire ça tout au long du match. Mais là, on a fixé comme temps pour l'apprentissage la mi-temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des matchs de NBA, on va s'arrêter à la mi-temps, donc au bout de 24 minutes. Et puis, avec ces données-là, on va détailler après les données, la description du match, on va essayer de prédire donc un problème de classification supervisée, tout bête, 0 si l'équipe à domicile gagne et 1 si c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne. Donc là, un peu la particularité des données d'entrée, des inputs, c'est le même cas que Dreams, en fait, c'est qu'on a des données des séries temporelles et qui vont être multivariées, on va voir pourquoi. Donc voilà la description un peu plus précise des données. Donc il y a un gros travail qui a été fait par les ingénieurs chez nous, dont je fais partie en fait, sur la collecte des données. Donc au départ, les données, c'était des commentaires qu'on a scrappés sur le site d'ESPN. Donc 15 ans de matchs de saison régulière de NBA, ça fait à peu près 15 000 matchs. Où on a scrappé ce qu'on appelle le play-by-play, c'est-à-dire l'évolution du match avec chaque action qui est annotée. D'accord ? Donc ça donne du texte. On ne vous donne pas les données texte. On a fait ce qui est un peu pénible en général, le traitement automatique des langues. Là. On a transformé ce texte en critères descriptifs. Donc ça, c'est pour les données d'input. Du coup, à chaque seconde du match, on va avoir une description de ce qui se passe à cet instant-là, avec deux types de données, l'écart des scores, tout simplement, entre les deux équipes. Donc à chaque instant du match, il y a un score. Donc ça, ce score, on l'a. Et puis des actions clés qui ont eu lieu, qui sont issues des commentaires. Alors ça peut être les rebonds, justement, les passes décisives, les contres, les paniers ratés, etc. Donc ça va donner 10 dimensions. Donc ce qu'on va avoir du coup en entrée, ça va être pour chaque seconde un vecteur de dimension 11, qui va être le score et les caractéristiques de l'action. Pour l'output, c'est simple, c'est donc de la classification, 0 ou 1, si à la fin du match, l'équipe a gagné ou a perdu. Donc plus précisément, si on parle un peu des différents donc, training sets, test sets, par rapport au cours de ce matin, donc on a mis 12 576 matchs dans l'échantillon d'apprentissage, donc vous devez construire votre modèle avec ce match-là, et on a donné à Mathieu et l'équipe 4192 matchs pour le test. Donc ça, vous ne les connaîtrez pas, mais vous allez tester vos algorithmes là-dessus. Donc pour chaque match, on va parler un peu de l'organisation des données, parce que c'est un peu spécial ici. Donc on va avoir du coup 24 minutes x 60 secondes, donc 1440 secondes, avec à chaque fois 11 dimensions. D'accord ? Donc finalement, chaque match, c'est une matrice de dimension 11 pour les caractéristiques et 1440 pour le temps, l'aspect temporel. Et ces fichiers d'input, on les a réorganisés pour avoir un seul fichier en ligne. C'est-à-dire que du coup, chaque ligne va représenter un match et on a mis les secondes à la suite. D'accord ? Ça, c'est pour les données d'input. L'erreur qu'on va mesurer, elle est très simple, c'est l'erreur de classification standard. On va compter 1 si on s'est trompé et 0 si on ne s'est pas trompé. D'accord ? Donc là, le taux de bonne classification, ça va être 1 si on a trouvé le gagnant. D'accord ? Donc on va normaliser sur l'ensemble test pour le score final. Alors le benchmark, il est très simple pour le moment. C'est simplement, on va se comparer à l'algorithme de classification très basique, sans aucun apprentissage, qui dit simplement que le gagnant à la mi-temps, c'est le gagnant du match. Alors, c'est très basique, mais ça marche déjà très bien.
Donc ces performances, on les a tout au long du match. Déjà après 5 minutes de match, on a à peu près 65% de bonne classification pour ce classifieur-là. Et donc à la mi-temps, on arrive à 72 à peu près. Donc on a 72% de bonnes réponses pour ce classifieur de base. Donc le challenge, c'est de faire mieux. Et bon, c'est pas hyper simple. On a essayé un petit peu. Il faut réussir à capter l'information dans les séries temporelles. Donc juste pour terminer sur un peu les pistes, comme disait Dream tout à l'heure, on a des données temporelles. Donc évidemment, vous pouvez tester des modèles simples. C'est très bien de commencer par des modèles simples. Mais quand même, là, on a une dépendance dans les inputs puisqu'on a les données seconde après seconde. Donc évidemment, il y a des candidats un peu naturels du côté des séries temporelles avec soit des modèles ou soit des réseaux de neurones. Voilà, récurrent par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que ces données sont aussi multidimensionnelles. Donc c'est des séries de temporelles multivariées. Donc là, il va falloir aussi essayer de combiner ces variables d'entrée. Et ensuite, on a des données qui sont parcimonieuses. Alors ça, c'est un cas un peu spécifique. Étant donné qu'on a les informations à chaque seconde, il ne se passe pas quelque chose à chaque seconde. Donc on vous conseille peut-être de commencer par des agrégations pour regarder ce qui se passe toutes les 30 secondes, par exemple. Voilà.